reborn. Ah, cette vie-là, vraiment. Bonjour, frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous donne longue vie. Avec la santé et la paix. C'est très important. Tibéchou est mort, c'est plus un secret maintenant. Il vient d'être enterré. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons vous montrer quelques images pour que vous puissiez voir ce qui s'est passé ici. Vraiment, c'est terrible. J'ai vu cet enfant. Il a une très jolie fille. Alors là, c'est triste. On voit même sa femme pleurer. Vraiment, c'est vraiment dur de perdre quelqu'un qu'on aime beaucoup. Venez voir ça. Après tout, Dibéchou est un humain. Qui peut détester un humain à 100%? Regardez. C'est ça sa famille. Vous voyez juste que deux personnes. Mais il y a beaucoup de personnes derrière. Le monsieur mort, laissant sa famille dans les larmes, dans les pleurs, et tout et tout. Vraiment, quelle histoire, quelle histoire, quel choc. Waouh. Bon, pour le voir là, c'est là, il a enterré. Il pense que c'est quelque part dans sa synagogue. Et on voit l'une de ses filles et sa maman. Maman, Seigneur Jésus. Voici comment ça va commencer. Donc, je vais déjà. Voilà. Là, c'est ce que je trouvais dans le véhicule. Les gens, les gens, le produit tout simplement à l'église pour la cérémonie. Maintenant qu'ils l'ont conduit à l'église pour la cérémonie, c'est-à-dire quelques jours de. Voilà, pour juste célébrer la vie de Tibéchou. Comme je vous l'ai montré hier, les gens sont passés là-bas tour à tour. Histoire de lui dire au revoir, quoi. Et c'est ce que nous allons voir ici encore, soyez prêts, regardez. Donc, voilà, tout à tout. Les gens sont venus ici pour lui dire au revoir. Les gens viennent faire respect, un mot d'hommage. Voilà. Wow. Et comme vous le voyez, c'est son corps qui se trouve dans une glace ici, juste là. Et les gens arrivent à ce niveau, lui dire, là, on voit. Oh my God! Oh mon Dieu, la vie. La vie. La vie. Maintenant, après tout ça, l'heure de la vérité est venue. Il a fait la dernière prière sur le cercueil. Et il a décidé de l'enterrer. Oui. De l'enterrer vraiment. Ils ont fait un truc vraiment digne d'un homme riche, d'un homme qu'on respecte aussi, qu'on a décidé de nourrir. Tu vois, le cercueil est simple, mais hein, la tombe est, on va dire, c'est comme une chose de dénigrée, quoi. Voilà. Il dit, est-ce que vous vous souvenez des derniers mots du prophète Tibéchou? Il nous demandait de prier. Voici ses enfants. Sa femme est ici.
Mais de jolies, jolies, jolies filles, il y a un garçon qui veut tout voir. Comment il le voit, comment il veut voir n'importe comment. Sans descendre sur quel drapeau. Comme vous savez. Le Seigneur Jésus et Seigneur Dieu. Donc nous tous ces jours, hein, vous nous mettez tout pareil. Moi ne m'attirez pas une tombe. Je vais m'envoler pour aller voir le Seigneur en même temps. Je ne suis pas prêt pour aller à la tombe. Mais est-ce qu'un corps peut parler? C'est ça. Quelle soit votre force, quelle soit votre richesse, vos pouvoirs. Quand vous mourrez, vous ne pouvez plus parler. Les gens peuvent vous tout ça sur votre corps. Les gens même peuvent vous-même vous insulter. Ceux que vous avez insultés peuvent venir vous enterrer. Eh Seigneur, merci la vie. Voilà. Tous les soirs, finalement, été enterré. Eh Seigneur, la vie. Merci son fils. Dans une situation que je n'aimerais pas voir, voici tous ses fils, sa femme, sa famille, tout le monde est dans les larmes, dans les pleurs, vraiment. C'est une fois que mes soeurs, c'est une fois que mes soeurs. C'est une fois. C'est une fois, c'est une fois. Le monde ne suffit pas pour vous consoler. Les mots ne suffisent pas, les mots ne seront jamais suffisants pour consoler une famille qui a été touchée par la mort. Non, non. Nous qui sommes vivants, que cela nous aide à voir quand même la vie. L'orgueil, l'orgueil, c'est un peu la poitrine, ce n'est pas ça la vie. Il faut marcher dans la crainte de Dieu et il faut bien finir son existence. Tout le monde pleure, mais c'est pas ça qui va le faire revenir à la vie, malheureusement. Malheureusement. Et comme vous le voyez, ils ont décidé d'enterrer le monsieur. Il s'appelait Temitope Balogo Yeshua. Temitope Balogo Yeshua. C'est ça qui fait Tibi Yeshua. Temitope, ça fait T. Balogo, ça c'est B là. Yeshua, là vous connaissez maintenant. Ouais non, donc ça fait Temitope Balogo Yeshua. Tibi Yeshua. Waouh. Les gens tour à tour vont maintenant venir lui jeter leurs fleurs tranquilles. Comme ce que je vais vous montrer maintenant. La vie. Regardez. Tout à tout, ça jette les fleurs. Les fleurs, les fleurs, les fleurs. Voilà. Regardez. Jette les fleurs de la tombe. Jette les fleurs de la tombe. Bon. C'est une cérémonie. C'est un peu organisé. Ils ont tous accepté cela. Ça a duré
Ravissez un jour minimum. Oui, voilà. C'est la fin. C'est la fin. Des personnes venues de différents pays sont venues chez nous aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est terminé. La question que je me pose, c'est est-ce que quand ça se passe là, est-ce que le mort peut voir tout ça? C'est-à-dire, est-ce que les choses qui sont quelque part, est-ce que quand même assister à cela? Même si c'était le cas, est-ce qu'il allait revenir vous parler encore? Quand vous êtes mort, c'est fini. Quand vous êtes mort, c'est fini. Vous êtes venu le dernier jugement maintenant. Vous ne pouvez plus parler. En tout cas, les humains ne peuvent pas vous entendre. Donc, pendant que vous êtes en vie là, parlez beaucoup. Parlez beaucoup, mais dites des choses importantes. Ouais. Bénissez Dieu. Remerciez-le. Parce que la vie se trouve entre ses mains. Oh mon Dieu. Wow, c'était extraordinaire. Merci la fois de regarder cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon environnement bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouve toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs, prenez soin de vous et soyez propres au Seigneur. C'est parti.